Chers amis, chers camarades, notre parti vient de tenir une belle conférence européenne, offensive et rassembleuse, pour défendre les intérêts de la France et du monde du travail lors des prochaines élections européennes de juin 2024. Un signal a été envoyé. Oui, le 9 juin prochain, la voix de la France populaire et humaniste, de la France républicaine qui agit pour le progrès social et le climat, la voix du monde du travail et de la création, la voix de la paix et de la démocratie, la voix des jours heureux. Cette voix peut être proposée à notre peuple. Avec Léon Desfontaines comme tête de liste, nous pouvons chambouler le paysage et ouvrir un chemin d'espoir. Avec vous, j'y mettrai toute mon énergie, toute ma volonté, toute ma détermination. Si vous le décidez, je porterai la voix des luttes sociales et écologiques, démocratiques et féministes, laïques et antiracistes, pour contester les logiques financières, pour donner la priorité à l'emploi, la formation, les capacités humaines et les services publics, plutôt que le capital. Du 9 au 12 novembre prochain, dans vos sections, dans vos cellules, vous allez être appelés à voter pour décider d'engager une liste ouverte de larges rassemblements et conduite par Léon Desfontaines. Parce que chez nous, ce sont effectivement les adhérentes et les adhérents qui décident. Je vous invite à voter en nombre pour soutenir la proposition retenue par notre conférence européenne et pour donner de la force à cette démarche ambitieuse pour notre parti et, je le crois, nécessaire pour l'Europe et pour notre pays. Vous donnerez de l'élan à cette campagne qui doit nous permettre de peser sur le cours de l'Europe, de reprendre en main nos vies. En la soutenant, vous donnerez aussi de la force à Léon Desfontaines pour mener, avec vous toutes et vous tous, une belle campagne qui permette de construire une belle liste ouverte, de larges rassemblements, et l'élection de nombreux députés européens utiles au peuple. Nous comptons sur vous.